l'objectif de cette journée rejoint les objectifs de Ville Internet, à savoir la promotion des usages de l'Internet citoyen. Et c'est en fait en faire une vraie place d'échange pour nos collectivités, les services ministériels, les entreprises partenaires, que tout ça effectivement discute autour de ce sujet du service numérique public au bénéfice du citoyen. Mes attentes, c'est de trouver des services que l'on peut apporter à la population, et notamment ce qui va concerner la gestion de la garderie préscolaire et de la cantine par badge. Alors je suis venue surtout pour voir ce que faisaient des villages comme le mien, s'il y en avait, pour m'informer sur comment on peut utiliser. Donc mon projet, c'est de les former, les informer. Donc je venais voir les bonnes pratiques qui existaient dans Ville Internet. Nous, on est venu parce que tout simplement on est curieux de savoir ce qui se fait au niveau des web TV. Et puis on voulait avoir un maximum de conférences aujourd'hui. Et puis aussi on aimerait savoir si on a une autre arrobase. En tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en avoir une. Alors je suis venu ici aujourd'hui à ces rencontres pour d'abord échanger avec mes collègues élus. Et aussi essayer de découvrir de nouvelles solutions pour améliorer la concertation avec les habitants via le numérique. On est venu aujourd'hui pour présenter à des villes qui sont intéressées par l'innovation un contenu numérique interactif destiné aux enfants de 7 à 11 ans pour animer le temps périscolaire. Alors Prometeon est une entreprise qui travaille dans le monde du numérique. Aujourd'hui, c'est très simple. On a dans le monde, quand on est petit, on met très simplement dans les mains des tablettes, des ordinateurs et on voit la facilité qu'ont les enfants à jouer avec ça. Quand on arrive dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. On nous donne un ordinateur, on nous donne un téléphone et très facilement, on arrive avec ces solutions à jongler et à faire notre quotidien. En fait, nous, notre challenge, c'est ça, c'est de se dire que redonner en fait du pouvoir à les jeunes publics pour qu'ils se réapproprient les sciences parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de co-créer eux-mêmes leur offre. Venez apprendre à faire un jeu vidéo, quoi. Venez fabriquer votre borne d'arcade de jeux vidéo. Et venez en parler au public, et pour nous c'est le renouveau des musées, c'est le visiteur devient un co-acteur en fait de sa visite. Je suis directrice des systèmes d'information à la ville de Vannes, qui depuis plusieurs années développe en l'occurrence les différentes actions pour les citoyens sur l'internet. C'est favoriser les échanges participatifs avec les citoyens de façon à ce qu'ils puissent plus s'insérer dans la vie locale, favoriser le partage, favoriser les idées, de façon à ce que la vie locale soit de plus en plus adaptée entre la collectivité d'une part et le citoyen. Merci à vous tous de nous avoir rejoints ce soir. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi en ligne et en direct sur le site de Ville Internet. Je suis Pascal Nicole et je vais donc animer cette première partie de la cérémonie de remise des labels Ville Internet. Et je vais donc d'abord commencer par appeler la marraine de cette soirée, Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État, qui va marrainer donc cette soirée, mais en vidéo, puisqu'elle est retenue par un congé maternité. C'était l'année dernière, vous rappelez, à Mérignac. Dans quelques instants. Vous êtes les représentants du peuple qui fait vivre le numérique dans les territoires. Je crois qu'on va le refaire, hein. Vous êtes la République numérique, vous êtes les représentants du peuple qui fait vivre le numérique dans les territoires. Voilà, c'était court. On va accueillir dans quelques instants, dans à peu près une heure, Jean-Vincent Placé, qui est donc le tout nouveau secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État. Et on va donc maintenant demander au président Evenot et à monsieur Metton, le maire de Montrouge, d'ouvrir cette cérémonie officiellement. Bien.
Donc, messieurs et mesdames les élus, messieurs les représentants des associations, des partenaires, nous sommes ici réunis pour une 17e cérémonie placée sous l'angle du label Ville Internet. Ça a commencé il y a 17 ans avec le prototype PlaceNet. Il y a eu ensuite 16 éditions consécutives du label Ville Internet. Nous nous retrouvons ici à Montrouge, où nous avons été magnifiquement accueillis, et vous pouvez en témoigner, dans le beffroi de Montrouge par monsieur le maire de la ville. Nous avons l'habitude de tenir nos cérémonies une année sur deux à Paris ou dans la région parisienne, et puis dans le reste du territoire. Cette année, ça tombait sur Paris, la région parisienne, et nous avons choisi de vous accueillir ici, parce que, d'une certaine manière, nous sommes aussi dans une ville qui est l'une des actrices fondamentales du monde de l'Internet. La ministre évoquait tout à l'heure la question de la République numérique. La République numérique, je pense qu'elle avait en tête tout de même de dire que cette République, elle ne part pas du centre, ce n'est pas une décision purement gouvernementale, c'est très fondamentalement, cette République numérique, une construction qui part des territoires, qui part des collectivités locales, des villages, des villes, des territoires Internet. Et d'une certaine manière, je pense que c'était un hommage qui était rendu aux acteurs du numérique sur le territoire à laquelle elle faisait référence. Donc, la cérémonie va débuter très rapidement. Je souhaitais simplement vous accueillir ici avec monsieur le maire. Et puis, donc, vous souhaitez une très bonne cérémonie. Les résultats vont être découverts très prochainement. Le suspense peut être atroce. Nous allons essayer d'y arriver très vite. Je vous remercie. Eh bien, moi, je suis aussi très heureux de vous accueillir à Montrouge, dans ce magnifique bâtiment des années 30 que nous appelons le Beffroi. Alors, malheureusement, ce n'est pas, le temps ne le permet pas, mais nous avons dans ce Beffroi un carillon de 30 cloches. Et donc, revenez à une saison un peu plus clémente et on vous fera un concert de carillon. Alors, nous, l'aventure Ville Internet a commencé il y a 3 ans à Paris. Donc, nous étions reçus à l'Hôtel de Ville de Paris, ce qui est tout à fait prestigieux. Et puis, l'année dernière, nous avons eu nos 5 arrobas à Mérignac. Et donc, nous étions très fiers de pouvoir accueillir cette magnifique cérémonie cette année. J'espère qu'on va conserver nos 5 arrobas. Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait pour que tout le monde soit bien accueilli ici. En dehors de ces récompenses, ce qui est important, c'est justement l'aventure que ça représente pour chacun d'entre nous, avec des expériences très différentes, très intéressantes, et ces forums qui nous permettent d'échanger sont une source de richesse et de convivialité tout à fait remarquable. Moi, je ferai simplement une remarque. Le développement du numérique, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, on a l'impression que ça rapproche les élus citoyens puisqu'on a de plus en plus de contacts, mais ça ne remplace pas le contact physique. Il faut ne pas oublier l'un quand on fait l'autre, ça ne le remplace pas. Et moi, je le vois, je fais des réunions de quartier, je fais des visites de quartier et je fais des chats et on fait les deux, enfin les trois. Voilà. Donc le contact humain, le rapport avec le citoyen est tout à fait fondamental. Bienvenue à Montrouge. Effectivement, on verra tout à l'heure si vous avez eu raison, monsieur le maire, d'accueillir Ville Internet, si vous en êtes récompensé. Mais je sais que ce n'est pas le seul critère. Il y avait justement tout à l'heure une assemblée générale de l'association et puis un conseil des partenaires. Et donc, je vais demander à Florence Durand-Tornard de nous faire un petit retour sur ces deux manifestations et surtout de nous annoncer quel va être le programme de travail de l'association. Oui. Michel, je propose à Michel Autier de se joindre avec moi pour présenter effectivement nos projets, puisqu'il en fait partie absolument. L'association Ville Internet a vécu sa 17e assemblée générale, puisque effectivement on est dans une phase de continuité réelle. Et on a donc acté un certain nombre de décisions, et notamment les missions essentielles de l'association.
Ça a été également traité d'une manière un petit peu différente dans le cadre du Conseil des partenaires, mais Claudie Lebreton, qui en a accepté la présidence, et lors de cette première réunion, qui de notre point de vue a été extrêmement positive, j'espère que c'est le cas pour les partenaires qui y ont participé, vous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc, on voulait vous présenter un petit peu le projet de Ville Internet, qui aujourd'hui a un travail qui se précise, qui s'active, j'ai envie de dire, encore plus. On a envie de tous ensemble, et on le sent dans les collectivités membres de l'association, d'aller plus vite, plus loin, plus profond, dans un échange encore plus dense. Et c'est ce qu'on va essayer de produire avec vous dans les temps qui viennent, sur ces questions à la fois d'évaluation des politiques publiques numériques locales, sur la question de l'échange pour que les services numériques locaux se passent et soient rendus au plus près des besoins des habitants, et puis sur cette logique de mise en réseau des acteurs et des compétences qui restent essentielles pour que ces services se déploient justement là où il faut, quand il le faut, avec ceux qui sont véritablement en capacité de les mener. C'est ce que vous cherchez à faire chaque jour dans vos territoires, c'est ce que vous réalisez particulièrement bien. Et c'est ce qu'on le verra dans le cadre du palmarès. Vous êtes en quelque sorte des leaders de cette dynamique et des leaders serviteurs, dirait Michel Autier, de cette dynamique du déploiement de l'Internet citoyen. Mais beaucoup d'autres villes en France font des choses passionnantes que nous ne voyons pas nécessairement de notre point de vue d'observateur, que vous ne voyez pas parfois dans les échanges locaux. Et donc l'idée est de vous aider à découvrir ces autres collectivités aussi, vers lesquelles nous allons nous tourner et adresser donc une adresse à l'ensemble des collectivités françaises, même si aujourd'hui vous êtes déjà très nombreux sur la plateforme Ville Internet, comme ces chiffres le montrent, et vous voyez qu'on touche à peu près, vous touchez avec ce réseau 41 millions de Françaises, qui est déjà pas mal, mais je pense qu'il peut être essentiel que ces services soient partagés pour tous et par tous, parce que autant vos villes concerne ce nombre d'habitants, autant les services peut-être sont encore à distribuer mieux et au plus près des habitants. Ville Internet, autour de Ville Internet, c'est un jeu d'acteurs, comme on dit dans certains mondes, mais je trouve que le mot est joli, parce que pour nous, acteurs, c'est celui qui joue la réalité, la vie quotidienne réelle dans les territoires. Et on voulait vous présenter un peu cette manière de voir que vous retrouverez dans le Cité en Réseau. Vous pourrez réfléchir éventuellement ou nous indiquer les évolutions qu'on pourrait donner à ce type de dessin qui met en situation à la fois les territoires, les villes, les villages, les EPCI, les écoles, les lieux, les ancrages des services dans les territoires, mais également l'État, les partenaires institutionnels, nationaux, locaux, qui structurent, qui aident à structurer ces territoires, et bien sûr les entreprises, que ce soit les grandes DSP, délégations de services publics, qui elles aussi font l'accès au territoire et l'accès à la ville, mais également les grandes et petites entreprises, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont dans le numérique depuis longtemps, ceux qui n'y sont pas encore, ceux qui veulent y être. Et donc il y a effectivement les associations, bien sûr, et tout le secteur, y compris de l'économie sociale et solidaire, qui doivent être emmenés dans cette dynamique. Et donc en toute simplicité, fort de nos 17 ans de mise en réseau d'acteurs, eh bien, on voudrait avec vous franchir un palier, aller plus loin et mettre en mouvement encore plus de monde sur cette dynamique des services essentiels pour les habitants. Alors on ose faire quelque chose, on ose vous proposer un plan d'action avec un objectif qui devrait être le vôtre, j'imagine, puisque vous voyez que ce plan atterrit en 2020 et qu'effectivement vous allez tous vivre en 2020 un renouvellement possible, une défense de vos projets engagés ou au contraire une proposition de nouveaux projets à mettre en route. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, assez simplement, on vous propose de vous accompagner avec des outils qui évolueront en fonction de vos demandes, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous allez exprimer, notamment sur la nouvelle plateforme, et à la fois pour valoriser, eh bien, c'est déjà ce que fait le label aujourd'hui, mais le faire encore mieux avec d'autres outils d'évaluation qui vont vers des logiques de diagnostic territoriaux des services publics numériques
numériques locaux et se poser la question du politique, clairement, avec on a un enjeu démocratique fort avec ces outils du numérique, donc afficher les politiques numériques locales, mais les afficher en coproduction avec les habitants, avec des dispositifs interactifs participatifs probablement, et peut-être encore assez vite, hein, les dates, c'est au plus tard, on essaiera d'eux, mais dans l'idéal avant, impliquer les habitants autour des besoins et des attentes sur les, ces fameux services à la fois essentiels dans tous les sens du terme, de la vie quotidienne, de tous les jours, et éventuellement arriver au bilan avant les élections municipales avec des dossiers solides, des actions engagées, des réalisations dont les bilans sont clairs, positifs, et aller du coup pouvoir ouvrir une nouvelle mandature avec une généralisation réalisée de ces services essentiels, de nouveaux services à mettre en œuvre, probablement en coproduction avec les habitants. C'est la ligne de Ville Internet élaborée avec l'ensemble du bureau, du conseil d'administration et de l'Assemblée générale des collectivités. Et donc voilà, c'est le vôtre, nous vous le proposons et nous mettons tout en œuvre pour cela. Alors, je vais laisser la parole à Michel Autier sur cette nouvelle plateforme qu'il a bien voulu concevoir. Michel est donc mathématicien, inventeur des arbres des connaissances, aujourd'hui président d'une société qui s'appelle Mugeco, et il a produit avec nous cette plateforme originale qui devrait avoir des qualités qui vous permettront à minima, et il va déployer un petit peu, de faire à la fois de la cartographie, mais de la cartographie thématique tout autant que géographique, de l'évaluation, du label jusqu'à des diagnostics, et vous permettre d'échanger mieux entre vous déjà et éventuellement d'ouvrir à d'autres acteurs du territoire. Excusez-moi. Voilà. Donc je laisse la parole à Michel pour les quelques slides suivants. Merci Florence. Donc, voir, donner de la visibilité, être visible, ce sont des mots qui sont revenus souvent dans l'exposé que vous a fait Florence. C'est d'une certaine façon le projet de la plateforme de Ville Internet qui devrait s'ouvrir dans le courant du mois de mars et qui se perfectionnera tout au long des mois à venir et espérons des années, grâce aux suggestions que vous pourrez faire, voire même au développement que vous pourrez faire et qui pourront s'intégrer à cette plateforme, puisque l'idée est surtout de sortir des logiques de site, c'est-à-dire essentiellement d'exposition et de consultation, mais d'avoir un outil d'innovation, de transformation, d'accompagnement, de partage. Le premier principe qui a dicté tous nos efforts de conception de cette plateforme, c'est le respect. Le respect par rapport à tout ce travail que vous avez fourni jusqu'à présent pour faire du site de Ville Internet ce qu'il est. Il y a une quantité considérable de données, un trésor, des richesses importantes, comme le disait votre président cet après-midi, et ce trésor doit être intégralement sauvegardé. Sauvegarder sur la base d'une logique qui repose sur deux termes dont Florence vous a beaucoup parlé, des acteurs et des services. Les acteurs, c'est vous tous, aussi bien acteurs individuels que collectifs. Ce sont vous qui êtes les initiateurs d'actions et ces actions ont pour but, ont pour mission de remplir d'une certaine façon des services aux citoyens, qui peuvent être d'ailleurs des services venus des citoyens eux-mêmes et que cette plateforme pourra équiper. Donc, d'abord, cette plateforme pourra être ouverte à toutes les communes de France. On est en train d'aller chercher toutes les informations auprès de l'INSEE et même ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes encore formalisées, pour que si vous rentrez dans ce système, immédiatement, votre localisation administrative
soit faite et vous accueille pour que vous vous sentiez chez vous. Ça va intégrer tout ce qu'on peut imaginer comme nouvelles formes de territoire. On parlait des métropoles cet après-midi, évidemment des nouvelles régions, mais aussi de tous ces concepts qui mêlent les communes les unes aux autres sur des missions collectives qui peuvent être importantes. Sur le plan de la cartographie géographique, on met au point des systèmes de zoning qui vous permettent de tout de suite repérer le territoire qui est au plus près de vos intérêts et au plus près des actions que vous mettez en place. Grâce à une logique d'enjeux et de diverses thématiques, si on pouvait passer le slide qui suit, c'est pas grave. Comment ? D'accord. Vous allez pouvoir mettre en place un système de repérage de vos actions en définissant les services élémentaires que chacune de ces actions va apporter. Grâce à cela, on va avoir autour de cette notion de service, d'une certaine façon, un langage collectif, un langage qui va permettre aux acteurs et aux actions de se retrouver repérés autour des mêmes valeurs, ces valeurs étant les services que vous apportez. On a repéré pour l'instant 131 services. On aura le moyen d'en avoir beaucoup plus au fil des évolutions et des innovations. Grâce à ça, on pourra considérer qu'il y a une logique de valeur qui s'installe sur ces services. On pourra comparer les initiatives des divers acteurs, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir cartographier l'ensemble des services, aussi bien au niveau national qu'au niveau d'une région, d'un département, d'une commune, d'une communauté de communes, voire même d'une association ou d'une entreprise. Ça vous permettra d'avoir enfin cette vision sur la globalité des activités de Ville Internet, le rapport qu'il y a entre vos actions à vous et les actions des autres, et nous l'espérons, une logique de partage, de mimétisme, d'imitation, de fertilisation mutuelle autour de vos diverses actions. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à Michel pour ce travail en élaboration, première sortie le 21 mars. Et je voudrais remercier donc particulièrement l'ensemble des partenaires qui ont permis qu'on aboutisse à ce travail. Et en tout premier lieu, le Commissariat général à l'égalité des territoires qui nous a permis de concevoir en coproduction, j'ai envie de dire, avec ses services, l'Atlas, qui est donc la première brique de cette nouvelle plateforme, un Atlas avec deux A, modernisé, encore amélioré puisqu'on a eu un très bon outil de premier travail et maintenant on peut élaborer avec cet atlas grâce aux apports du CGET une plateforme totalement efficiente. J'aimerais remercier la Mutuelle Nationale Territoriale qui nous aide à accompagner les agents, à les informer, à les stimuler aussi à chacun des niveaux possibles pour rentrer dans ces dynamiques. Et puis La Poste et DocaPost qui nous accompagnent depuis plusieurs années avec un travail de réflexion, de proposition et un engagement extrêmement fort, notamment avec les nouvelles offres qui sont directement et exclusivement dédiées aux collectivités locales pour certaines. Et puis bien sûr ERDF qui nous rejoint très récemment et je les salue et je les remercie d'être avec nous pour cet événement aujourd'hui. Vous voyez s'afficher l'ensemble des partenaires associés et association d'élus également. On reviendra sur le Conseil des partenaires. Merci. Nouveau logo. Alors, on salue le nouveau logo de Ville Internet à cette occasion. Et je vais donner la parole maintenant à Claudie Le Breton pour le Conseil des partenaires pour nous faire un petit point de ce qui s'est dit tout à l'heure. Merci. Nous venons d'installer, n'est-ce pas, il y a de cela quelques minutes, c'était à 15h30, le Conseil des partenaires pour la France des territoires de demain. C'est bien ça ? C'est bon. Voilà. Voilà, Emmanuel, le président de Ville Internet, et Florence Durand-Tornard, suite à des discussions que nous avons eues pendant plusieurs semaines, à la suite du rapport que j'avais écrit à la demande de Cécile Duflot, alors ministre
sur le numérique, les territoires et les collectivités territoriales. C'était des interrogations que nous avions sur la formation des élus et des administrations, sur les enjeux de l'Internet, du numérique, la territorialisation, les relations entre les partenaires publics, État, collectivités territoriales, entre les collectivités territoriales elles-mêmes, avec le milieu associatif, le monde syndical, les citoyens, comment on pouvait là aussi réfléchir, échanger, confronter pour faire des propositions qui s'inscrivent complètement dans les territoires de France. Alors, on a pris cette initiative, pas décision, initiative, de solliciter un certain nombre de partenaires. Nous avons invité très largement. Et aux surprises, nous étions plus de 60 dans la salle tout à l'heure, simplement pour discuter, est-ce qu'il y a un intérêt à se retrouver dans un conseil des partenaires concernant le numérique? Et après une discussion d'une bonne heure, eh bien, chacun a pu exprimer son point de vue et en disant « banco, on y va ». Et l'idée, c'est de le construire ensemble, de voir l'intérêt, comment on va s'organiser, les échanges. Pas simplement que ce soit un lieu d'échange au niveau national, mais que ce soit aussi un lieu qui se démultiplie dans l'ensemble des territoires de France pour qu'il y ait là aussi beaucoup d'intelligence collective, d'innovation, de propositions, de faire de la prospective pour le futur et puis de décloisonner nos représentations, qu'elles soient institutionnelles, économiques, associatives, voire citoyennes. Cette idée, c'est d'un élargissement. Alors, on va se lancer à l'aventure. On va essayer de construire quelque chose ensemble. Ce n'a pas vocation forcément à durer dans le temps, mais momentanément pour, là aussi, être à l'écoute des citoyens, partager avec eux, et nous avons des outils numériques extrêmement importants qui nous permettent d'avoir ce dialogue dans la permanence et la durée. Et je pense qu'on a quelques perspectives, mais je suis sûr qu'on est loin de savoir ce que nous allons découvrir. C'est un formidable territoire d'aventure. Donc nous vous invitons très largement à y participer, d'ouvrir tous les réseaux pour qu'il y ait là aussi un vrai mouvement sur l'ensemble des territoires de France, et puis qu'on puisse se retrouver de temps en temps pour, là aussi, faire un point, une évaluation, et faire avancer cette cause. Ce que Jean Stone a appelé la révolution fulgurante, eh bien, cette révolution fulgurante est en marche. Ce n'est pas à nous de la subir, c'est à nous surtout d'en être les acteurs, et c'est ça ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous donc, pour ce travail de toute l'après-midi. Vous avez bien travaillé. Hop. Et donc on va lancer maintenant une table ronde avant la remise pour essayer de faire un peu le point sur un certain nombre de grands sujets de préoccupation de l'association Ville Internet. Je vais appeler donc Marie-Caroline Bonnet-Galzy du Commissariat Général à l'égalité des territoires et John Billard avec qui on va parler de l'égalité des territoires et de la ruralité. Voilà, vos places sont réservées. On va parler aussi d'éducation et numérique avec Jean-Marc Mériot de Canopée et Mathieu Gendron du ministère de l'Éducation nationale, si vous voulez bien nous rejoindre. On va parler d'animation de la relation élu-agent citoyen avec Étienne Langereau de La Poste et Alain Doyen de la Mutuelle nationale territoriale. Ils sont là. Oui, je les ai vus tout à l'heure. Et puis enfin, on aura des élus. Et je vais demander donc à Hakim Oural, Jean-Louis Méton, de prendre également place. Merci à vous de nous rejoindre. Voilà, je le regrette, il n'y a qu'une seule femme, et donc c'est à vous que je vais m'adresser, Madame Bonnet-Galzy. Vous êtes commissaire générale à l'égalité des territoires, vous dirigez donc cet organisme qui maintenant est assez ancien et solide, même s'il a quelques années d'existence en tant que tel, il est l'émanation d'organismes qui étaient plus anciens. Et avec John Billard qui est à vos côtés, j'aimerais qu'on traite un petit peu d'égalité des territoires, en particulier de cet atlas qu'on vient de redécouvrir,
tout à l'heure, en tout cas qu'on va découvrir à partir du 21 mars dans sa nouvelle version. Quel est un peu l'objectif du Conseil, du Commissariat général à l'égalité des territoires quand vous êtes impliqué dans une initiative comme ça de cartographie des initiatives et des acteurs? Bonjour à tous, merci. Je ne sais pas si c'est parce que je suis femme que je réponds en premier ou parce que le Commissariat général à l'égalité des territoires a quelque chose à dire, je l'espère. Oui, effectivement, pourquoi on s'implique? D'abord, on s'est impliqué avec beaucoup d'intérêt et de plaisir dans l'Atlas, qui est une très belle réussite, et je félicite tous ces partenaires, sans doute ici en grande partie rassemblés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre à disposition notre expertise, notre connaissance et la composition des échelles de ce qui fait nos territoires et de ce qui fait notre territoire France, en considérant aussi que l'Europe et l'international jouent aussi et le numérique est sans frontières, donc on sait que ça va être un enjeu très important. Alors, à quoi on pense important pour garantir qu'il y ait une forme d'égalité des chances, de continuité dans l'accès à ces nouvelles solutions numériques? Le premier point, c'est que il y a une nécessité, c'est assurer une couverture de l'infrastructure numérique. C'est une condition absolument nécessaire qui nous a déjà appris beaucoup dans les relations collectivités, puissance économique et puis citoyens. Donc le besoin est extrêmement fort. Et nous sommes aux côtés de l'Agence du numérique pour garantir que les progrès soient constants, et ils le sont d'ailleurs, je pense que chaque mois montre des progrès dans la couverture numérique, mais en même temps qu'ils le soient jusqu'au bout, jusqu'aux habitants, et qu'ils le soient aussi dans tous les territoires où ça va être plus difficile souvent de couvrir. Donc ça, c'est ce premier point, cette égalité, elle passe par cette infrastructure qui a été organisé avec un partenariat public-privé, un grand partenariat public-privé. Il faut qu'il soit pesé, contrebalancé, et nous sommes présents aux côtés de l'Agence du numérique pour l'assurer. Le deuxième point, c'est que il faut donc qu'on le dépasse pour donner une vraie chance à une ouverture des solutions numériques qu'on a évoquées là plusieurs fois. Et je crois que ce qui était dit tout à l'heure par Claudie Le Breton est très important. Il faut s'organiser. Comme je l'ai évoqué, c'est un vrai sujet de rapport de compétences et de rapport de pouvoir que d'être capable de discuter et de faire progresser ce que l'initiative privée et les grands opérateurs en cause peuvent apporter avec les services associés. Simplement, il faut s'organiser. Donc je ne peux que conseiller cette logique de conseil de partenaires et cette logique qui est d'organiser des capacités de dialogue entre les collectivités, le pouvoir économique et les citoyens. Je pense que c'est vraiment déterminant. Vous le savez, nous sommes aussi responsables au niveau du Commissariat général pour développer la politique de la ville, et on sait donc que dans ces quartiers où le sujet de la couverture numérique n'est pas le premier, le sujet de la solution numérique est très important, parce que c'est un facteur d'intégration, un facteur d'ouverture et un facteur d'ouverture de chance. Donc vraiment, j'insiste sur cette question et je ne peux qu'appuyer ce qui a été dit, dans la mesure où le développement de ces solutions, c'est bien un développement de l'attractivité partout dans et entre les territoires. Je pense aussi que, et en lien direct avec ce que je viens de dire, c'est très important de partir des usagers. Et l'usager, il bouge, donc il n'imagine pas qu'il y a des endroits mieux servis que d'autres, et il a un besoin de continuité de cette solution sur tout le territoire. Donc les solutions, il faut les partager, il faut les développer, il faut qu'elles puissent s'articuler sur l'ensemble du territoire, et on doit en être garant et être très vigilant pour que ça se passe comme cela, pas seulement dans les villes, hein, aussi dans tous les territoires qu'elles doivent irriguer, et dans tous les territoires, qu'ils soient de petite taille, de budgets différents, d'altitudes différentes ou de densités différentes.
Et puis le dernier point, c'est comment aider et développer cette capacité de partage des solutions. Franchement, tout ce qu'on a entendu là, Ville Internet, avec toute son expérience, le développe et c'est déterminant. Je pense que le partager, c'est déjà illustrer, et vous le faites, les bonnes expériences qu'on en a. Et elles sont immédiatement... elles ont un caractère public pour un certain nombre d'entre elles. Je pense à toute la capacité de débat public que ça développe. Je pense bien sûr aux enjeux de la formation. Nous sommes présents sur la Grande École du Numérique et c'est une très belle construction numérique, virtuelle, mais qui fédère beaucoup d'énergie. Et je pense que ça donne l'idée de ce que doit être cette force des solutions. Mais c'est aussi des chantiers dans l'environnement, le logement, la mobilité et l'ensemble des filières d'entreprise. Donc il faut qu'on soit capable de maintenir donc ce dialogue, cette capacité de partage, et vous y contribuez. Je crois que le SGMAP était présent aussi. Il essaye, lui, aujourd'hui, il essaye de développer cette capacité de partage dans le périmètre public. Nous avons aussi beaucoup à faire et à apprendre et à développer. C'est le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, je le précise. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est un de nos partenaires et qui nous aide là aussi à développer dans le périmètre public. Et j'ai trouvé très intéressant, vous avez évoqué, je crois, cet après-midi et tout à l'heure encore, l'enjeu de la formation des élus. Et je crois que voilà, il faut que la solution numérique soit aussi un enjeu, une capacité pour former les élus et en même temps à les former à ces enjeux du numérique. Je crois que nous sommes, comme l'a très bien dit Claudie Le Breton, face à un grand territoire d'aventure, mais ça va très vite, donc il faut qu'on réagisse très vite, qu'on se mette en organisation très vite, et nous sommes aussi porteurs de tout ce qui est capacité à développer, à diffuser les bonnes pratiques à vos côtés. En tout cas, nous y serons très désireux de partager ces Merci, expériences. On va donner la parole à votre voisin, John Billard. Vous êtes maire d'une petite commune, Favrille, dans l'Eure-et-Loir. Exactement. Et vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Alors, je vous voyais vraiment approuvé quand votre voisine évoquait l'égalité des territoires, y compris dans les secteurs ruraux, qu'on peut croire parfois un peu délaissés, mais en même temps, il y a vraiment... j'allais dire, des capacités de rebond dans les secteurs ruraux, puisque vous avez les villages du futur, vous avez plein d'initiatives qui naissent. Est-ce qu'on va enfin dépasser la question de l'infrastructure, des réseaux? Est-ce qu'on va pouvoir aussi parler des usages chez vous? En fait, j'ai approuvé parce que en fait, tous les points que je soulève à longueur d'année au sein de l'Association des maires ruraux de France, ils sont abordés. Donc effectivement, notamment... dernièrement, la formation d'élus, hein, c'est quelque chose qui est important. Et je m'attendais pas à ce que je devais présenter. Je voulais juste quand même rappeler que c'est la deuxième année que la MRF participe à ce qu'on appelle village internet. Alors c'est ville et village internet. Le logo ne parle que de la ville, mais il y a aussi les villages. Non, mais le label est bien au titre des territoires, villes et villages. Et justement, il faut intégrer totalement les villages, parce que moi, ce que je voudrais passer comme message, c'est remercier les élus ruraux ou les petites communes, comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que avoir un label et avoir ces arrobases qu'on va leur remettre. Alors il y a 41 communes, hein, c'était 37 l'année dernière, donc on progresse. C'est quand même extrêmement important pour tous les bénévoles de nos communes. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez les villages fleuris. Et dans les grandes villes, les villages fleuris, ce sont des armées de jardiniers qui vont fleurir les villes. Dans les communes, ce sont généralement les élus ou leurs adjoints ou les bénévoles. Pour Internet, c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'on est extrêmement heureux à la MRF de participer à ce label, parce que c'est un moyen aussi de récompenser tous les bénévoles. Ils sont 550 000 en France à faire vivre nos villages. Et je crois que c'est encore tous ces événements-là qui montrent l'importance de la commune dans notre
organisation territoriale française, si tant est que certains voulaient en diminuer. J'ai vu qu'il restait toujours plus de 36 000 communes tout à l'heure dans le chiffre, donc je suis un peu rassuré. Donc voilà, c'est ce que je voulais passer comme message. Et donc l'année prochaine, l'AMRF donc, continuera évidemment à participer et elle invite d'ailleurs Emmanuel Evenot à son prochain congrès pour montrer que l'Association des maires ruraux de France, en ce qui concerne Internet, c'est Ruralitik, c'est aussi campagnol.fr, donc c'est une solution Internet pour les communes rurales. C'est aussi bientôt un Wiki des maires, donc le maire au service des maires, mais via un outil numérique. Donc les maires ruraux, ils sont extrêmement numérisés, contrairement à ce que d'autres pourraient penser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors souvent, on parle quand même dans les territoires, j'allais dire, hein, quelle que soit leur dimension, des services essentiels. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion, parce qu'en fait, tout le monde a développé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui ferait le socle absolument indispensable à fournir à vos administrés? Alors, la première étape, on a beaucoup, depuis deux jours, deux, trois jours, là je parle beaucoup de ça, on parle beaucoup du partage et de la citoyenneté. Et la première chose à faire passer aujourd'hui, c'est que nous, les élus, dans nos communes, on passe l'information vers nos concitoyens, puisque demain, on fera l'inverse, puisqu'on demandera à nos concitoyens, ça a été dit plusieurs fois dans les débats qu'il y a eu dans la journée aussi, on va leur demander de contribuer. Donc, c'est pour ça qu'à la MRF, on prône un site internet partout. Donc, le minimum vital aujourd'hui sur le numérique, c'est que toutes les communes de France aient un site internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre, en tout cas c'est ce à quoi on s'emploie. Pour une raison très simple, c'est à la fois pour exister sur la toile, on existe sur un territoire, aujourd'hui on doit exister sur la toile, et la deuxième chose, c'est qu'il faut que de plus en plus l'élu, de par le contexte économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais surtout aussi le contexte politique, l'élu parle de plus en plus à ses concitoyens. Et Internet, c'est un avantage énorme pour ça. Il a cette faculté de pouvoir mettre en ligne tout ce qu'il dit, tout ce qu'il les débats. Et le concitoyen est libre d'aller le consulter quand il veut. C'est une forme de démocratie indispensable. Et on va aller vers plus de démocratie. Et il faut que tout le monde travaille sur ce domaine-là. Et dans nos villages, c'est vrai qu'on est plus proche, nous, de nos concitoyens, parce que ça s'appelle un village, c'est beaucoup plus petit, et il y a beaucoup d'humains. Mais on est aussi confronté à ce phénomène de il faut aussi exister sur la toile pour que la démocratie s'applique. Donc le service universel de l'Internet dans une commune, oui, demain, c'est indispensable. Merci beaucoup. Donc, je vais passer à la deuxième partie. Merci à tous ces villages. Vous leur avez donné d'ailleurs un peu d'espoir en disant 4 de plus que l'année dernière. Donc, du coup, ça réveille sans doute des espoirs dans la salle. L'éducation numérique, c'est, j'allais dire, tout commence par là. Parce que si on parle des usages, il faut des usagers. Il faut des jeunes qui aient ensuite vraiment une bonne maîtrise de tous ces outils. L'éducation numérique, donc Jean-Marc Mériot est là en tant que directeur général de Canopée et Mathieu Gendron est directeur de la délégation à l'éducation numérique. J'aimerais que vous nous... C'est ça ? Vous allez corriger tout de suite. En tout cas, j'aimerais que vous nous présentiez le guide qui sort là, en même temps que le label, le guide numérique à l'école. Pourquoi avoir sorti ce guide ? Tout d'abord parce que depuis quelques années déjà, nous sommes partenaires de Ville Internet et ça nous semblait important de pouvoir faire une vraie synthèse de l'ensemble des usages du numérique au plus près des communes. Et à travers ce guide-là, on l'a orienté vraiment vers tous les retours d'usage que nous avons pu collecter à travers un certain nombre d'initiatives et entre autres à travers la direction de recherche et développement sur les usages du numérique éducatif au sein de Canopée avec un certain nombre de laboratoires dispersés sur l'ensemble du territoire et qui nous permettent là aussi de pouvoir mesurer et de pouvoir à travers ces retours d'usage réellement créer tout ce qui concerne les enjeux, en tout cas de mettre en avant tout ce qui concerne les enjeux du numérique éducatif. Donc vous allez pouvoir, il vous sera distribué à la fin de la conférence, en tout cas de la table ronde et de la remise des prix. Et je pense qu'aussi l'intérêt, c'est que cet outil-là soit
un vrai outil pour les politiques et pour les élus, afin qu'ils puissent là aussi intégrer dans leur acculturation, on va dire, autour des enjeux du numérique et de l'éducation, et ben, un certain nombre de données. On a cherché aussi dans la seconde partie de ce guide à intégrer bien évidemment une vision aussi prospective, puisque l'intérêt pour nous aussi est de pouvoir imaginer ce que sera l'école de demain, puisque c'est l'anticipation. On va dire un élu doit aussi être dans l'anticipation pour pouvoir permettre de mettre en place l'ensemble de sa politique. Et donc voilà, c'est à travers ce type d'outil-là aussi que s'intègre pleinement le travail mené par le réseau Canopée dans l'accompagnement qu'il est amené à faire auprès des collectivités territoriales. Merci, je vais passer la parole à Mathieu Gendron. Donc il va nous dire quel est son titre exact, mais vous représentez le ministère de l'Éducation nationale quand même, grosso voilà, modo. Voilà, il n'y a pas de souci. Directeur du numérique pour l'éducation. Ah voilà, d'accord. Ouais. Et donc le Ville Internet est partenaire avec d'autres associations d'élus du ministère de l'Éducation nationale. Une charte a été signée récemment. Et donc on a maintenant les bases du partenariat. Ce serait intéressant que vous nous disiez vraiment quel est le sens de ce partenariat, et surtout ce que ça va changer dans la relation avec les équipes éducatives, entre les équipes éducatives et les agents des collectivités, les services éducation de nos villes, par exemple. Voilà. Alors le symbole, ce qu'on se disait au moment où on a conclu ce partenariat, c'est l'idée de dire finalement le numérique est modélisant pour faire tomber les murs institutionnels et faire tomber les murs pour institutionnels entre l'éducation et ses partenaires. Et en fait, dans l'histoire, on ne parle pas que de numérique. L'idée, c'est que l'école va constituer le socle pour la citoyenneté de demain. Et ce qui est important, c'est que l'école donne du sens aux élèves, et le sens s'acquiert par la proximité, la cohérence en fait entre ce qui est à l'école, ce qui est proposé par la collectivité, ce qui est proposé sur le territoire, la culture, le monde du travail, le monde économique et l'innovation. Donc l'idée, c'est que ce partenariat, ce qu'on est en train d'essayer de construire avec les collectivités, va bien au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer. C'est pas du tout un travail sur les infrastructures, sur l'équipement, etc. C'est véritablement un travail en commun pour préparer les élèves à être des citoyens numériques, mais pas que numériques, des citoyens tout court du monde de demain, qui lui sera peut-être un petit peu plus numérique. Voilà. Merci beaucoup. On salue à l'arrivée de Jean-Vincent Placé. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir rejoints. Je crois que c'est une de vos premières sorties publiques, donc on est très heureux que ce soir à Ville Internet. Et on salue aussi l'arrivée d'André Santini, député maire d'Issy les Moulineaux, qui est arrivé en voisin et qui va donc rejoindre les élus qui vont parler d'innovation. Et vous êtes là en tant que ville pionnière de Ville Internet, vous êtes donc le bienvenu. Troisième petite étape là, dans notre parcours, je voudrais parler de l'animation de la relation citoyen et élu-agent avec vos deux voisins, Étienne Langereau et Alain Doyen. Étienne Langereau, vous êtes directeur de la mission Grand Paris à La Poste, qui est un partenaire donc, de Ville Internet, on en a parlé tout à l'heure, et Alain Doyen est vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale, mais c'est aussi un ancien élu local. Alors, avec vous, c'est vrai que sur cette question de l'animation de la relation citoyen élu-agent, faut dire que ça a beaucoup changé. Hein. Les organisations sont en train de se transformer pour intégrer mieux l'usager. Les agents sont obligés de faire aussi un certain mouvement dans ce sens. Et puis les élus sont à l'écoute. On a parlé de démocratie participative. Donc Étienne Langereau à La Poste, notamment dans le groupe La Poste, mais aussi avec vos filiales comme DocaPoste, qu'est-ce qui change dans votre relation collectivité? Quels sont les services nouveaux que vous proposez pour améliorer cette relation citoyen? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous, à La Poste, on a un double ADN. C'est d'abord les échanges, hein, puisque nous sommes au cœur des échanges entre tous les Français, et c'est notre présence sur l'ensemble du territoire national. Le numérique, la révolution numérique, elle va transformer les échanges, elle va les accroître et les démultiplier. Et donc, nous considérons que le numérique est une chance pour La Poste et une chance pour les territoires.
Donc notre enjeu, c'est de réfléchir avec les collectivités sur des solutions qui leur permettent d'optimiser la relation avec les citoyens. Aujourd'hui, les collectivités sont un peu perplexes, perdues face à cette révolution numérique. On ne sait pas très bien par quel bout la prendre. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est leur proposer des solutions qui permettent de répondre aux attentes des différents, aux attentes des citoyens. Et ces attentes, elles sont multiples, elles sont très larges, elles sont vastes. Et ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'enfermer dans des solutions toutes faites, mais essayer d'avoir une stratégie de co-construction de la réponse. Et il y a aujourd'hui, dans les solutions, il faut trouver une formule qui permette d'agréger différentes briques de solutions et qui permettent de répondre aux attentes. Il y a trois grands univers de besoins aujourd'hui face à des citoyens qui sont de plus en plus connectés et exigeants. Il y a tout l'univers, on va dire, autour de la famille et de la culture et des événements. Il y a tout l'univers des démarches administratives et l'univers, on va dire, de la gestion de l'espace public. Donc ces trois univers-là, qui sont aujourd'hui directement impactés par le numérique, sur lesquels il y a beaucoup d'attentes des citoyens, pour lesquels évidemment les collectivités offrent des solutions, l'enjeu c'est de construire une solution un peu globale qui permette, à partir d'une plateforme, on va dire d'un portail citoyen, eh bien, d'agréger un certain nombre de solutions et de briques, et de faire en sorte que ce portail il évolue dans le temps, il évolue en fonction des besoins, et qu'on puisse le faire, j'allais dire, sur mesure et à la carte. Sur mesure, parce qu'il faut l'adapter à la taille de la collectivité, à son évolution. On peut aussi, évidemment, réfléchir à l'échelle intercommunale, et c'est l'un des enjeux. Et puis, à la carte, bien, c'est-à-dire qu'on peut y aller progressivement, ajouter les briques aux briques, et avoir une solution globale. Et nous avons donc, à la Poste, une filiale qui s'appelle DocaPost, vous l'avez cité, et cette filiale aujourd'hui, elle est en mesure de proposer ce portail. Elle le teste dans beaucoup de collectivités en France, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et donc ces solutions, cette solution que DocaPost, ce portail de DocaPost, il est aujourd'hui à la disposition, et surtout il est interfaçable avec d'autres solutions, donc il n'est pas fermé. Voilà. Et donc il va permettre, et il permet déjà dans certaines collectivités, d'accroître la productivité des services, de répondre aux besoins de réponses rapides, réactifs aux demandes des citoyens, et donc il permet globalement d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Alors ça c'est pour la partie numérique de votre offre. Est-ce que sur la partie, j'allais dire, plus présentielle, vous pouvez nous préciser un peu quel va être le rôle des facteurs dans l'accompagnement éventuellement des usages? Alors, quand je disais que le numérique était une chance pour la Poste, c'est vrai qu'aujourd'hui... parce que normalement, le numérique a tué un petit peu le courrier, quand même. Hein. Alors, effectivement, depuis 400 ans, ce qui a changé à la Poste, c'est la manière dont le message était transporté. On est passé du cheval à l'avion, en passant par le train et la voiture. Et là, ce qui change fondamentalement, c'est la nature même du message, puisque c'est plus l'écrit, on passe au numérique. Mais fondamentalement, on peut considérer que c'est une chance aujourd'hui, parce que en investissant le numérique et les nouveaux échanges, la Poste reste au cœur de la relation avec les citoyens, avec les usagers du pays. Et donc les facteurs, en effet, vous les avez cités. Il y a aujourd'hui 70 000 facteurs en France. Ils sont tous maintenant équipés de terminaux numériques. Et donc ils peuvent offrir de nouveaux services aux citoyens, que ce soit les services du quotidien, les services à la personne, le relevé des compteurs, etc., etc. Il y a tout un tas d'autres, donc de nouvelles solutions et de nouveaux métiers qui seront ceux des facteurs grâce au numérique. Bon, j'imagine que les facteurs vont coopérer avec les agents des collectivités locales qui sont eux aussi au contact des habitants. Je vais donner donc la parole au vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale, Alain Doyen. Comment se passe cette transformation à l'intérieur des collectivités, vous qui êtes à l'écoute de vos 800 000 adhérents à la MNT? Alors, très à l'écoute des adhérents, et pour preuve, puisque ce sont des agents des services publics locaux, donc pour assurer aussi l'association Ville Internet que nous continuerons le partenariat financier, moral et logistique, donc ça c'est important de le savoir. Une bonne nouvelle, on peut peut-être vous applaudir à cette occasion, parce que ce n'est pas un partenariat. Et par ailleurs, puisque les agents des services publics territoriaux sont des agents des collectivités territoriales, donc il y a besoin d'avoir un environnement professionnel qui puisse leur permettre de mettre en œuvre ce que les politiques, donc les élus, leur demandent, et en particulier au niveau du numérique. C'est important.
Nous avons, au niveau des territoriaux, donc au niveau du numérique, beaucoup évolué dans le digital, puisque nous avons créé des espaces adhérents, des espaces militants, qui leur permettent d'être en contact permanent, donc avec les mutuelles, dans des domaines les plus variés, puisque je parlais ce matin au niveau de la protection sociale, surtout du bien-être au travail. Et je crois que c'est important de pouvoir offrir aux agents territoriaux donc la possibilité, dans le cadre de la prévention en particulier, qui aide beaucoup aussi les collectivités territoriales, puisque malheureusement, dans ce territoire, globalement, il n'y a pas assez de prévention qui ont des conséquences induites financières au niveau du pays. Je crois que les différents organismes s'en rendent compte. Donc on a beaucoup de contacts avec les collectivités, puisque nous travaillons avec 16 000 collectivités sur le territoire, ce qui présente énormément d'agents publics locaux. Et nous continuons, nous évoluons. Et je crois que les décideurs, l'employeur public, doit aussi, dans l'environnement, participer aussi financièrement, parce que ça se fait, au niveau des agents territoriaux, sur la protection sociale. Je souhaitais faire passer le message, puisqu'il y a beaucoup d'élus dans la salle. Et un ministre. Et un ministre. Puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les agents des collectivités territoriales ne sont pas des agents plus aidés que les autres, puisqu'on peut comparer aussi avec les organismes privés. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein, donc, au niveau des aides que peuvent apporter, si je prends un exemple, l'accord national interprofessionnel aide les employés du privé, mais celles et ceux qui ont été oubliés, ce sont les fonctionnaires d'État, territoriaux, hospitaliers, les chômeurs, les retraités et les étudiants. Il faut que le message passe aussi, et je crois qu'on aide beaucoup, nous, les agents territoriaux, dans leur environnement, au travers de l'observatoire et du bien-être au travail, et au travers de la prévention particulièrement, de plus en plus, nous avons le souhait de pérenniser notre action auprès des collectivités territoriales. Et pour le numérique, donc, on aide beaucoup nos adhérents au travers de la dématérialisation de beaucoup d'éléments. Hein, et je crois que c'est important dans le cadre de l'activité de l'environnement professionnel. Merci beaucoup. On va enchaîner donc sur l'innovation, la gouvernance. Merci pour ces paroles fortes. Je vais passer la parole à Hakim Oural, qui est donc adjoint au maire de Lille et conseiller métropolitain de la métropole de Lille. Hakim Oural, vous avez été l'auteur d'un rapport sur l'innovation territoriale. Qu'est-ce qui change aussi dans la gouvernance quand le numérique, comme aujourd'hui, se généralise et rentre dans toutes les collectivités ? Merci d'abord de me laisser parler avec un panel de personnes de très haut niveau. Je pense que les uns et les autres ont une expérience très forte et qui pourraient, de certaine manière, illustrer assez intelligemment ce que je vais essayer de dire au travers du rapport que j'ai rendu au gouvernement sur l'innovation publique territoriale. Notre objectif était de définir un certain nombre de critères qui visent à permettre de redonner plus de place dans la décision sur les territoires aux citoyens. Et évidemment, quand on évoque la relation de l'usager vis-à-vis de l'opérateur public, nous sommes tous les élus sur les territoires, le numérique prend une place assez formidable. Ça permet de créer des écosystèmes hyper vertueux, parce que souvent on parle d'écosystème économique, mais l'écosystème va de l'opérateur vers l'usager ou le citoyen. Et donc, pour nous, dans le rapport, il était essentiel d'évoquer le citoyen comme étant le générateur de l'innovation. Et en lien avec les valeurs que les collectivités portent, avec ce que nous représentons sur les territoires et cette cohérence qui fait la force de notre pays. Donc ça, c'était essentiel pour nous. Et dans ce rapport, on a évoqué un certain nombre de sujets et que le numérique, évidemment, sublime d'une certaine manière. C'est la question du droit à l'expérimentation, qui en France est encore une chose sur laquelle il faudrait qu'on avance, monsieur le ministre. Je pense que c'est des choses sur lesquelles vous, en tant que dans les fonctions que vous avez aujourd'hui, vous pourriez avoir une action, c'est-à-dire de permettre à des territoires de pouvoir inventer leurs propres solutions. Évidemment, ça demanderait de déroger à l'universalisme des décisions qui se font au niveau national, mais d'une certaine manière, de pouvoir libérer les énergies et libérer les initiatives sur les territoires. Je crois que c'est assez important. Le droit à l'expérimentation, en quelque sorte. Tout à fait, bien sûr. Je crois que ça, c'est essentiel pour nous, parce que c'est Pierre Mauroy qui m'en parlait quelques temps avant qu'il nous quitte, en disant qu'il aurait aimé pouvoir invoquer le droit à l'expérimentation pour, par exemple, une collectivité qui est devenue un groupement économique de coopération territoriale transfrontalier, qui est l'Eurométropole.
Je crois que pour nous, le numérique, c'est d'abord de redonner une place un peu centrale, un peu dynamique du citoyen vis-à-vis de l'écosystème dans lequel il vit. Je crois que c'est ça qui est dans le rapport. Je pourrais vous évoquer aussi l'ambition qui est celle du politique que je suis. Évidemment, on a écrit le rapport au moment où la loi NOTRe était discutée au Parlement avec une nouvelle organisation de la République qui a essayé de donner une place nouvelle aux citoyens. Je trouve qu'à ce titre, on a échoué. Mais le travail est devant nous. Le numérique est sans aucun doute un catalyseur de ces possibilités nouvelles. Mais ce que nous voulons, par ailleurs, au travers du numérique, parce que le numérique, ce n'est pas magique. Le numérique, c'est juste une capacité de mieux informer, de mieux connecter, de mieux interagir sur le territoire. Mais ce que nous voudrions, c'est que le numérique permette aussi de mieux écouter les citoyens au quotidien. Et c'est vrai que l'élu que je suis, que les élus que nous sommes, ont cette envie permanente de pouvoir être à l'écoute et être le plus pertinent possible par rapport aux préoccupations de nos concitoyens. Et c'est vrai que le numérique, avec les plateformes qui s'organisent, la question de l'identité numérique du citoyen, peut nous permettre d'être plus en phase parfois. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à votre voisin. André Santini, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes une des 10 communes pionnières qui vont être distinguées ce soir. Vous êtes députée maire depuis maintenant pas mal d'années à Issy-les-Moulineaux et je crois que votre site internet va fêter ses 20 ans en 2016. J'aimerais savoir comment, avec votre expérience, comment on reste pionnier aussi longtemps. Parce que c'est ça le sujet. Être pionnier une année, deux années, mais durer comme une dizaine d'entre vous là dans le palmarès tout à l'heure, le font, comment c'est possible ? Quand j'entends les interviews de sportifs, il y a un mot qui revient maintenant, c'est le mot envie. Ils disent j'ai envie de, pour la ligue de football, etc., ou même dire des conneries sur Internet d'ailleurs, ça sert à tout. Et nous, les élus, le vrai problème, c'est le jour où on n'a plus envie. Autrement, le Internet, moi quand je me suis lancé dans Internet il y a juste 20 ans, j'ai pas eu tellement de concurrents. Je dis ça à mon jeune voisin parce que tout le monde pensait que c'était une entreprise de nettoyage, donc on n'avait pas trop de jaloux. Ça coûte pas très cher d'ailleurs hein, quand on additionne. Et puis hier, on recevait par exemple la municipalité de Dubaï. Je sais même pas où c'est Dubaï, j'ai jamais été, j'ai pas les moyens. Et ils venaient voir ici les moules, la cité numérique qu'on a faite, pour avoir des idées afin de réaliser, car ils réalisent l'exposition universelle en 2020, ça m'avait échappé complètement. Et chez moi, ils ont repéré l'usine d'incinération, qui est très moderne, n'est-ce pas Jean-Loup ? Et ils venaient voir le fort pour faire une smart city, comme on dit. Et c'est intéressant. Une petite ville de banlieue qui dit à Dubaï, qui crève de pognon, encore que j'ai entendu qu'ils allaient appliquer la TVA, alors ils savent pour où ils vont. Pour l'instant, nous, on disait en France qu'on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait les idées, on a vraiment les idées. Et Internet, c'est vraiment l'idée formidable pour la France. Nous sommes juste derrière les États-Unis, sans les moyens, sans les universités, etc. Ça traîne partout. Et on est vraiment très, très bon. J'ai rencontré Navi Rajou, évidemment, et la semaine dernière, j'ai rencontré Leader, le patron de Google, pour la France. On prépare un coup. J'en dirai pas plus, j'ai à côté de moi des copains. Non, pas du tout, au contraire. La formule qu'on propose, on a tous des start-up. Qu'est-ce qu'on fait des start-up ? Une fois que c'est parti, les plus dégourdis font des appels de fonds. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Comment on fait pour sortir du nid ? Ah, là, il y a un trou. Alors, avec Bouygues, l'idée, pour une fois, n'est pas de moi, c'est de Bouygues. Alors, vous voyez, ils ont lancé Nextdoor. C'est-à-dire qu'on prépare des structures. Alors, maintenant, tout le monde fait ça, du coworking, on se lance là-dedans. Mais attention, ça risque d'être un petit peu décevant. Nextdoor, ça veut dire qu'on prend un ancien immeuble. Et celui-là, c'est drôle, c'est un immeuble qui avait été mal construit par Bouygues. Je l'aurais toujours dit, ils l'ont fait vite, ça leur arrive. Hein. Ils l'ont donc repris.
On a aménagé des salons cosy, des lieux, etc. Et les start-up que nous leur envoyons louent à l'heure, à la journée. Il n'y a pas de bail. Il y a une petite start-up qui a apporté de la bouffe. C'est vraiment un style. On en est à 300 dans le premier immeuble. Et le deuxième immeuble qu'on ouvre va passer à 500. Ça fait 800 jeunes start-up concentrés. Et on n'est pas avec les grands moyens que Free a déboursés, etc. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et bizarrement, ce patron de Google dit « Mais c'est génial ce que vous faites. Et on voudrait travailler avec vous. » Pourtant, ils ont déjà une implantation à Paris, 700 types. Mais là, la nouvelle formule, c'est de passer par les start-up, par les collectivités locales. Et ce qu'apprécient les jeunes dans nos communes, c'est le, bien sûr que j'ai Microsoft, que j'ai Cisco, etc., Bouygues Télécom qui vient de s'éteindre un peu. Bon, on a plein de grosses sociétés. C'est nous, les élus locaux, les mieux placés pour tisser, pour faire des liens entre tout le monde, pour dire aux start-up, vous avez votre place. On a l'ICEP, l'Institut d'informatique, qui est la plus grande école, ils sont 700, qui vient de s'installer dans le séminaire chez moi. Vous vous rendez compte, un mécréant comme moi, j'ai convaincu la Cato de s'installer, 12 millions de travaux. Eh bien, j'ai découvert l'autre jour qu'il y avait 40 étudiants de Stanford qui étaient à l'ICEP. Vous vous rendez compte? Alors, je vais faire un peu de la mousse, on va les recevoir, etc. Mais quand même, on est à Stanford. Merde. Il ne faut pas avoir de complexe. Et quand vous voyez que Google a envie de faire avec nous, c'est bizarre qu'ils viennent demander aux élus locaux, il n'a pas été voir ses autres copains. Google, ils sont à combien? 938 milliards de capitalisation. Ils ont dépassé Apple, vous l'avez vu. Et leur devise, on va quand même leur piquer quelque chose, c'est « We must fail earlier ». On doit se casser la gueule plus tôt. C'est pas français, ça, hein? Ça veut dire, quand on se casse la gueule, c'est un progrès. On avance. Alors que nous, alors c'est vrai qu'eux, ils sont protestants, etc. Bon, nous, on est des vieux anciens cathos, etc. Donc, avancer, faut réussir. C'est pas vrai. Il faut que quand on échoue, on soit en train de progresser. Et c'est par Internet, c'est dans cet esprit Internet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Internet infuse un esprit, diffuse des idées. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'ouverture, d'écoute. On écoute les autres. On essaye, ce que disait notre jeune collègue. Nous, on a lancé Tell My City. Là. Bon, c'est amusant, mais ils nous font chier. Ils n'arrêtent pas de téléphoner, etc., pour dire qu'il y a une poubelle qui n'a pas été ramassée depuis deux jours. Le problème, c'est la réaction. Parce qu'Internet, c'est la première partie. Si après, ça ne bouge pas, ce n'est pas la peine de se mettre sur Internet. Alors je crois que ce qui est réalisé par les collectivités locales, c'est vraiment le meilleur terreau pour réaliser avec Internet des progrès au service de l'humain. Merci beaucoup André Saint-Denis. Une minute pour Jean-Louis Metton, parce que... De toute façon, passer après André Santini, c'est dramatique. Hein. Là, vous avez fait un coup terrible. Bon. Non, mais vous avez été là du matin au soir. Je crois que c'est la première fois dans une ville qui accueille la remise des labels qu'on a un maire qui est aussi présent toute la journée. Vous avez beaucoup écouté, participé à tout. Qu'est-ce que vous retirez de cette journée hein? Alors, moi, c'est ce que j'ai dit ce matin, je suis venu en espion pour essayer de prendre des idées un peu partout. Et d'ailleurs, on est tous venus pour la même chose, donc il ne faut pas se le cacher. Et c'est ce grand forum d'échange qui est d'une richesse extraordinaire, sachant que le problème de l'efficacité ou le problème de l'ingéniosité ne dépend pas de la taille de la ville. C'est ça qui est extraordinaire. On est tous à égalité, qu'on ait 200 habitants ou 200 000 habitants. Et donc, c'est ce qui me stimule et m'intéresse. Moi, j'ai juste une petite réflexion à faire en cette fin de journée. C'est que je me suis aperçu qu'il y avait trois choses importantes pour nos concitoyens. Parce qu'on a beaucoup parlé de services, de serviteurs. Nous, les élus, c'est vrai que nous sommes au service de nos concitoyens. Aujourd'hui, les concitoyens, ils veulent de l'instantané. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les réponses tout de suite parce qu'ils ont leur smartphone et dès qu'ils ont une question, ils ont la réponse sur Internet. Donc pour nous, c'est pareil, ils nous interrogent, ils veulent la réponse tout de suite. Deuxièmement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que leur smartphone, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et ça, c'est très important. Et puis, ils veulent qu'on les considère. Donc, ils veulent un contenu personnalisé. Donc, ils veulent absolument qu'ils ne pas faire partie de la masse, mais être individualisés. Et donc, c'est là notre grand défi. Donc, on essaie, nous aussi, d'y répondre, bien sûr, à Montrouge. Et je reviendrai sur la remarque que j'ai faite tout à l'heure aussi. Malgré tout, comme ils ont énormément de contacts numériques, c'est-à-dire électroniques, eh bien, ils nous demandent, nous, collectivités, d'organiser des événements qui leur permettent de se rencontrer physiquement. Et il y a un très grand besoin de contact physique. Donc, c'est les remarques que je voulais faire sur cette journée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et maintenant, le grand moment est arrivé. Nous allons remettre les labels Ville Internet. Et donc, Florence Durand-Tornard, Emmanuel Evenot et Jean-Vincent Placé, vous nous rejoignez maintenant, ici. Bien, donc c'est le moment clé de cette journée, puisque maintenant nous allons dévoiler le palmarès des villes Internet. Je voudrais juste repréciser quelques petits points qui sont à la fois de l'ordre de l'innovation cette année, c'est-à-dire la présentation du statut de ville pionnière. Nous avons eu l'incarnation donc, d'une ville pionnière avec M. André Santini à l'instant. Tout ça pour dire que effectivement nous nous inscrivons dans une histoire qui est à peu près à 20 ans d'âge, effectivement. Notre label lui-même a 17 ans d'âge et ça démarre un tout petit peu plus tôt. Ça veut dire qu'il était important pour nous, au-delà du palmarès Ville Internet, rendre hommage à des collectivités qui ont inventé un chemin en particulier. Elles ne sont pas très nombreuses. Vous les trouverez d'ailleurs dans le Cité en réseau qui est distribué. C'est une liste qui a été établie à partir, d'une part, de ce qui existait dans les rapports officiels. Dès le démarrage d'Internet, il y a eu toute une série de collectivités, enfin un petit nombre de collectivités qu'on retrouvait dans tous les rapports. Il y a également eu toute une série de travaux qui ont été faits dans le monde universitaire qui en rendent compte. Donc voilà, un groupe de 10-15 collectivités qui ont ouvert le chemin. Il y avait en particulier, donc ici les Moulineaux, il y avait la ville de Metz. Je parle uniquement des villes qui ont participé à notre label Ville Internet et qui d'une certaine manière, ont fondé la démarche Ville Internet. Il y avait la ville de Parthenay, il y avait la ville du Grand Nancy, enfin plutôt la communauté urbaine du Grand Nancy, la ville de Castres-Mazamé ensuite. Voilà, c'est un petit groupe de collectivités locales très impliquées. Les inforoutes du Nord-Ardèche, par ailleurs, qui sont maintenant également très présents dans le palmarès. Le palmarès lui-même, il faut préciser aussi que ce n'est pas un concours, c'est véritablement un label, dans le sens où nous n'avons pas de seuil au nombre d'entrées dans chacun des niveaux. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a un grand nombre de collectivités locales dans chaque niveau. Ce n'est pas une pyramide, c'est véritablement une démarche collective de progrès et qui est marquée par des seuils d'entrée à un niveau un petit peu comme le guide Michelin, vous le savez maintenant, une arrobase, deux arrobases, trois arrobases, et puis le niveau ultime qui est 4 et 5 arrobases. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la présentation se faire pour les résultats du palmarès et Monsieur le ministre remettra tout à l'heure le label 4 et 5 arrobases.
dois juste signaler un petit rectificatif sur la présentation vidéo où la ville de Cayenne s'est trouvée desservie puisqu'elle est signalée à deux arrobases. Or, elle a effectivement obtenu trois arrobases. Nous les prions de nous en excuser, c'est une erreur technique. Voilà, donc nous avons fait un petit parcours de la géographie française et au-delà, puisque en fait, la métropole, pardon, et puis au-delà, puisqu'il y a les territoires d'outre-mer qui sont également représentés. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui tend à prendre de l'ampleur. Voilà. Il y a des villes de La Réunion, de Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc., qui sont présentes depuis quelques années, de plus en plus grand nombre, en fait. C'est tout à fait très significatif, d'une certaine manière, de la façon dont les collectivités locales peuvent faire école sur leur territoire. Dès qu'il y a une communauté de référence qui s'installe en un lieu, elle fait école. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se construit dans le collectif, ce qu'on pourrait appeler un collectif de travail autour de l'invention de l'Internet territorial, et qui déborde le cadre communal, puisque les participations se font de proche en proche. Donc c'est fondamental. Nous arrivons maintenant au niveau 4 et 5 arrobases, qui sont évidemment les villes, ce qu'on appelle les villes référentes, ici celles qui sont les villes exemples, qui sont d'une certaine façon aussi, dans l'histoire, celles qui ont le plus contribué à l'innovation au quotidien dans l'Internet territorial. Et donc nous allons appeler les élus des maires des villes citées à se présenter sur l'estrade, et en passant par le côté à ma droite pour le moment. Merci. On peut lancer la vidéo. Quand vous voyez apparaître le nom de votre commune, vous pouvez venir donc sur l'estrade. Bras-sur-Meuse, Épernay, Rixheim, Bassins, Canejan, Lamastre, Mézieux, Saint-Égrève, Dijon, Lavancourt, bravo, représenté ici, Elvin, Fréhel, je vous en prie, rejoignez-nous, Saint-Sulpice-la-Forêt, Lille-Adam, Castanet-Tolosan, Tarbes, Main, Merville, Bernay, Angers, Changé, la communauté de communes du pays des Achards, Fresnay-sur-Sarthe, Saint-Martin-de-Crau. Et voilà, bravo aux maires, aux élus, aux agents, aux médiateurs numériques, à tous ceux qui font l'Internet du territoire des villes 4 arrobases. Voilà, nous prenons quelques temps pour les photos. Et le suspense grandit pour ceux qui n'ont pas encore été cités. Voilà. Donc le privilège des 4 arrobases. Vous voyez, faire des services numériques aux citoyens, ça donne ce genre de plaisir. Profitons-en. Une photo, monsieur le ministre. Emmanuel, si tu veux rejoindre pour la photo. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on va poursuivre.
Voilà. Alors maintenant, il y a deux solutions pour ceux qui n'ont pas encore été cités. Soit ils ont été oubliés, soit ils sont bien placés. Voilà. Si vous voulez, messieurs et mesdames, représentants des 4 arbres, vous mettre un petit peu sur le côté ici, derrière nous. Comme ça, le ministre pourra accueillir les 5 arbres. Je vous en prie, venez par ici. Il y aura le temps pour les photos. Voilà. Je vous propose de vous avancer. Nous allons accueillir les 5 arbres pour que le ministre puisse les... Voilà. Oui, oui, mais on aura, je pense, le temps. Voilà. Donc, le palmarès qu'on attend tous. 17e remise des labels Ville Internet, territoire, ville et village Internet. Et donc, les 5 arrobas cette année sont... Agen, Bayonne, Boé, la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, Aix-les-Bains, Bron, Grenoble, rejoignez-nous, n'hésitez pas à monter sur l'estrade, Besançon, Vannes, Olivet, je vous en prie, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, Baie-Mahault, en Guadeloupe, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Levallois-Perret, Montrouge, bravo, Puteaux, bravo, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bel, Vitry-sur-Seine, Beauvais, La Madeleine, Villeneuve-d'Ascq, Fleury-sur-Orne, Forges-les-Eaux, Pointe-aux-de-Mer, Trélazé. Bravo, bravo à vous tous, félicitations. N'hésitez pas à vous approcher par ici. Vous êtes les leaders serviteurs, pour reprendre une expression qu'on a entendue la journée, de l'Internet citoyen. Bravo, c'est vous qui entraînez peut-être, j'espère, vos pairs par l'échange d'expériences que vous réalisez sur la plateforme Ville Internet. Bravo encore à vous. Merci, monsieur le ministre, d'avoir remis ces labels avec nous. Bravo, on les applaudit encore une fois. Et bientôt sur la nouvelle plateforme à partir du 21 mars pour géolocaliser vos acteurs, vos actions et montrer comme l'Internet citoyen se déploie dans votre territoire pour le service de tous, y compris des plus défavorisés, avec les agents qu'on salue encore dans leur travail au quotidien, les médiateurs numériques qu'on n'oublie pas, mais aussi les enseignants dans les écoles, la communauté éducative, les personnes qui travaillent dans les associations sur la question, sur les différentes questions, qu'elles soient sociales, environnementales. Et donc, ce sont tous ces acteurs que vous représentez ici, et c'est eux que nous saluons tous ici avec vous aujourd'hui. Merci. Si vous voulez vous rapprocher un petit peu. Alors, également, les représentants des villes pionnières, ne les oublions pas, M. Santini, s'il est encore des nôtres. Et, il y est déjà, c'est parfait. C'est pas... Ah non, il est là. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Alors, dans les villes pionnières, donc les territoires, Metz, Parthenay, les inforoutes de l'Ardèche, Villard-de-Lans, Besançon, Brest, ici les Moulineaux, bien sûr, bravo, Castres-Mazamet, Amiens, sont les villes qui depuis, allez, combien de temps Emmanuel ? La première apparition des villes pionnières dans la littérature officielle, c'est 1996, bon. Il n'y a rien avant. Voilà, donc 1996, c'est à peu près l'année de naissance de Ville Internet. On est encore là, vous êtes encore là et on va être de plus en plus nombreux. Bravo à vous tous. Je vais vous proposer de rejoindre vos places pour entendre le discours de clôture, si vous le voulez bien. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, cher André Santini, oui, il est toujours là, le pionnier de l'Internet, chère Julie Sommaruga, je suis très heureux de vous voir ici, cher Philippe Kaltenbach, collègue du Sénat, je crois qu'il y a également le sénateur Loïc Hervé qui, lui, vient de la Savoie. Je tiens à saluer Jean-Michel Fourgous également. Monsieur le maire, bien sûr, cher Jean-Loup Méton, vous êtes là. Mesdames et messieurs les élus, Madame Durand-Tornard, Monsieur Evenot, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ici ce soir à Montrouge pour la remise des labels Ville et Village Internet. Il s'avère que c'est mon premier déplacement en tant que secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification auprès du Premier ministre. Et c'était le premier conseil des ministres hier et aujourd'hui c'est mon premier déplacement. Et donc c'est évidemment avec une certaine émotion que je vous parle. Et je tenais évidemment à être là pour cette manifestation. Parce que depuis longtemps déjà, en tant qu'élu régional, en tant que parlementaire, j'ai la conviction profonde que le numérique est une chance pour transformer en profondeur la puissance publique en rendant possible le travail commun entre agents de l'État. Certains sont intervenus aujourd'hui et je tiens d'ailleurs à les saluer par rapport au sens de l'intérêt général et au dévouement qu'ils ont au quotidien. Élus locaux, citoyens, acteurs associatifs, chercheurs et entrepreneurs. Et ce label que vous venez de remettre est en quelque sorte l'incarnation de cette mission. Vous le savez, le gouvernement que je viens d'intégrer a fait de cette transformation numérique une priorité,
Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de mes prédécesseurs, tant Marie-Lise Branchu que Thierry Mandon, que bien sûr Clotilde Walter, qui a été appelée à d'autres fonctions au sein du gouvernement en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ils avaient aussi la conviction profonde que la transformation numérique de la puissance publique, c'est créer le service public augmenté, augmenté parce que meilleur, disponible, 24 sur 24, 7 jours sur 7, plus personnalisé, plus prédictif, c'est cette ambition que nous portons. Ce sont vos projets qui concrétisent cette conviction. C'est pourquoi je tenais à vous saluer et à souligner votre engagement. Permettez-moi de citer quelques noms. Alors, évidemment, l'inconvénient de citer quelques noms, c'est qu'on peut en oublier. Donc, je vous présente déjà à cet égard mes excuses. Je ne peux que saluer, évidemment, le travail extraordinaire de cette association qui, maintenant, regroupe près de 250 initiatives. Et Emmanuel Evenot, son président, sa fondatrice, Florence Durand-Tornard, et qui, depuis 15 ans maintenant, valorise ces initiatives, travaille au quotidien, rapproche en termes de proximité, et extrêmement ambitieuse et volontariste sur le sujet qui nous importe tant. Bien sûr, le maire, Jean-Louis Metton, qui est l'hôte de l'événement et qui, on le voit, est déjà très tourné sur la ville Internet. Merci de nous accueillir, monsieur le maire. Julie Somaruga, qui est là, députée des Hauts-de-Seine de cette circonscription. Vous êtes impliquée sur ces questions numériques. Vous avez notamment co-signé une dizaine d'amendements sur le projet de loi pour une République numérique. Je salue également, je crois, Joachim Timothéo, non pas je crois, mais je crois qu'il est là, surtout Joachim Timothéo, élu de Montrouge et du conseil départemental, avec également sa colistière qui est présente. Évidemment, on ne peut pas venir dans les Hauts-de-Seine sans citer André Santini, qui est le maire emblématique d'ici les Moulineaux, qui a commencé depuis très longtemps sur les questions numériques, avec son campus Microsoft, comme il dit. Bon, moi, je suis plus peut-être francophone, je dirais Microsoft France, le Cube pour la création numérique. Et puis, bien sûr, un sujet qui m'est particulièrement cher, parce qu'il a toujours essayé d'allier la question du numérique, la question de l'écologie, en particulier sur la question de la collecte pneumatique des déchets et des puits géothermaux. Claudie Le Breton, que j'ai plaisir à voir, qui a présidé longtemps l'Association des départements de France, le conseil départemental des Côtes-d'Armor, et qui a fait un rapport extrêmement lu et réputé sur la France des territoires de demain, où il a justement envisager cette France des 15 prochaines années qui alimente nos réflexions. Je salue également Hakim Oural, que nous avons entendu, adjoint au maire de Lille, mon ami Martine Aubry, auteur de plusieurs rapports sur le sujet, qui a parlé d'expérimentation. Je crois qu'il a raison. Le sujet de l'expérimentation est un thème essentiel aujourd'hui dans les collectivités. On est arrivé à une France extrêmement diverse et on ne peut plus, et je crois que ce ne serait pas raisonnable, faire comme il y a 200 ans, même s'il y a eu des mérites à la France jacobine. Aujourd'hui, la question de l'expérimentation, et en particulier sur les nouvelles technologies, sur le numérique, sur la question de la transformation numérique de notre pays, est un sujet essentiel. Je vais faire une mention spéciale qui est un peu une mention copinage, où on ne voudrait pas, parce qu'il s'avère que je suis originaire du Calvados et j'ai vu que Marc Le Cerf, qui est là, le maire de Fleury-sur-Orne, figure parmi les villes Internet les plus actives, avec 5 arrobases aujourd'hui. C'est une commune de moins de 5000 habitants dans la banlieue cannaise, et que justement ce type de ville, en périurbain, de taille, j'allais dire petite, mais je vais dire modeste, monsieur le maire, cher Marc, eh bien je crois aussi que c'est un élément extrêmement important. Ça veut dire qu'il n'y a pas que dans les grandes villes, il n'y a pas que dans le milieu urbain au sens strict que la révolution numérique est en train de s'opérer, donc c'est vraiment une belle chose. Alors, bien sûr, là ce n'est plus du copinage, mais c'est du territoire. Je tiens particulièrement à saluer aussi mes amis essoniens, en particulier les deux communes de Verrières-le-Buisson et d'Arpajon, qui ont reçu un prix ce soir. Le maire Thomas Joly et également Christian Béraud, je crois, sont présents. Je les salue chaleureusement.
Et puis, bien sûr, parce que je crois que ce qui est important, c'est aussi la diversité des territoires, mais l'attachement que nous portons toutes et tous à l'outre-mer. Et j'étais ravi de voir que la maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, est là. Et ça démontre justement que, aussi bien en métropole qu'en outre-mer, la préoccupation que nous portons est extrêmement partagée. Et tant mieux, tant mieux et tant mieux. Alors, j'ai vu également Laurence Compara, que je tiens à saluer, qui est la maire adjointe de mon ami Éric Piolle, qui est en charge de l'open data et des logiciels libres. Je crois que c'est bien qu'il y ait une maire adjointe sur le sujet de l'open data et des logiciels libres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communes qui aient cette intitulé d'exécutif. Et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, cette dynamique-là est en train de s'installer. Je ne veux pas oublier Vannick Berberian, le maire de Yargiles-Dampierre et président de l'Association des maires ruraux de France, ainsi que son vice-président Jean Billard, maire du Fabril, qui sont présents. Enfin, bien sûr, un grand merci à Pascal Nicole, modérateur de la table ronde et président de Débat Lab, une association qui met en réseau les acteurs du débat public, de la concertation et des instances participatives locales ou nationales, ce qui est aujourd'hui, plus que jamais, une tâche tout à fait essentielle. Votre engagement à saisir localement les opportunités offertes par le numérique est la meilleure réponse aux Françaises et aux Français confrontés tous les jours aux incertitudes et aux doutes et qui peuvent parfois se sentir abandonnés. À travers ce réseau des acteurs de l'Internet citoyen développé par Ville Internet, à travers le partage des bonnes pratiques numériques, vous facilitez la vie quotidienne de nos concitoyens. Là encore, quelques exemples. La charte de création du Comité des partenaires du numérique pour l'éducation, signé en octobre 2015 et élaboré en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle vise à proposer une stratégie globale de déploiement du numérique pour l'éducation. En mutualisant et en valorisant les expériences territoriales, vous aidez les générations futures à s'approprier les outils qui leur seront utiles. Ensuite, l'amélioration de l'accessibilité des sites Internet des collectivités que vous promouvez permet de ne laisser personne au bord de la route. C'est un enjeu de solidarité et de justice. Il en va de même concernant le développement des pôles interrégionaux de la médiation numérique qui vise à accompagner les publics dans le bon usage de l'Internet citoyen autour d'acteurs proches des populations et formés à la culture numérique. L'État suit le même mouvement, difficilement, mais ça suit. Il améliore l'accessibilité de ses sites Internet dans le cadre du référentiel général d'accessibilité pour les administrations, le RG2A, et déploiera d'ici sur tout le territoire 1000 maisons de services publics d'ici 2017. Je sais qu'Axel Lemaire, que je tiens également à saluer, apporte tout son soutien et son énergie à cette action. Elle était là l'année dernière. Je crois qu'il y a eu un message, vous le savez, un heureux événement fait que marraine de l'événement, elle n'a pas pu être là. Évidemment, nos pensées vont pour elle, ainsi qu'à son congé maternité. Je trouve ça, pour ma part, très bien attaché à l'égalité femmes-hommes, que même ministre, on puisse faire le congé maternité. Et je lui souhaite un prompt retour auprès de nous pour continuer ce travail remarquable qu'elle effectue, d'ailleurs en lien particulièrement avec vos territoires. Ces progrès au niveau local s'inscrivent dans le grand mouvement de la modernisation de l'État dont j'ai désormais la charge. J'en profite pour remercier mes services, le SGBAP, le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique, qui travaille, je crois, très très bien avec l'association, et en son sein, de la DINZIC, et ça ne s'invente pas, la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information de la communication. Ces intitulés vous donnent une idée de la pertinence d'une politique de simplification pour l'État, parce que j'ai moi-même découvert ces acronymes il y a quelques jours et je me suis dit tout de même, il y a peut-être quelque chose à faire pour que cela soit plus naturellement compréhensible pour nos partenaires. Mais malgré tout, l'État change. Il doit s'adapter aux usages des citoyens qu'il sert, à leur attente d'un État plus transparent, plus accessible, plus simple, et le numérique est un des leviers principaux de ce changement. Le numérique est un levier de simplification. Le gouvernement a retenu 620 mesures de simplification concrètes depuis le début du choc de simplification voulu par le président de la République il y a de cela un peu moins de 3 ans. Le numérique est un levier pour rendre les politiques publiques plus efficaces et pour mieux les évaluer.
Le numérique est un levier pour une démocratie réelle. Le président de la République a souvent insisté sur la valeur ajoutée du numérique pour améliorer le débat public et votre action permet d'étendre cette ambition à l'échelon local. Le numérique doit aider à prendre des décisions, mettre en place des politiques publiques, les réaliser plus efficacement, faire en sorte également qu'elles soient débattues et aussi permettre de les évaluer, d'avoir un retour participatif par la suite. Et ça, cet enjeu-là, c'est l'enjeu de l'État, c'est l'enjeu des collectivités locales de demain. La France exercera une responsabilité importante et d'ailleurs j'espère qu'on pourra travailler ensemble sur ce sujet extrêmement important. Nous allons présider, je vais présider, le partenariat pour le gouvernement ouvert. C'est l'Open Government Partnership qui a été mis en place à l'initiative du président Obama il y a de cela quelques années. Et cette organisation d'un genre nouveau s'attache justement à vouloir promouvoir la transparence de l'action publique. Elle regroupe 69 pays et il y a un plan d'action signé par le président de la République qui doit se concrétiser à partir de septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. Et moi, il me semble qu'évidemment, ça doit être une question de gouvernement ouvert, mais aussi des collectivités territoriales, les nouvelles régions, les départements et les agglomérations et les mairies. Et vraiment, je souhaite qu'on ait un travail participatif avec deux, trois thèmes. Vous imaginez bien que, pour ma part, en tant qu'écologiste, je suis particulièrement attentif à ce qu'on voit de ce qu'on peut faire pour la COP21, la transposition dans les politiques publiques, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour lutter pour les solidarités humaines, et donc avoir un retour des citoyens sur l'appréciation de ces politiques publiques. Ça me paraît extrêmement important. Mesdames, Messieurs, la transformation numérique nous concerne donc toutes et tous. Qui mieux que vous pour le savoir ? Tous les acteurs doivent être mobilisés, l'État, les collectivités locales, les citoyens, les ONG, les assos, les chercheurs, les entreprises et plus généralement l'ensemble de la société civile. En entrant dans ces fonctions nouvelles, je mesure la responsabilité qui est la mienne de participer à ce changement avec vous. Et pour donner une proposition concrète, Ville Internet annonce aujourd'hui la création d'une base de données des initiatives numériques locales. J'espère que cette base pourra être rapidement mise à disposition sur le portail data.gouv.fr et que les services de l'État l'alimenteront. Comptez en tout cas sur mon écoute, sur ma mobilisation de tous les instants. Demain, je serai aux côtés des participants d'un hackathon international organisé sous l'égide d'État Lab avec les représentants de 8 pays de la francophonie qui font justement partie, pas tous d'ailleurs, du partenariat pour le gouvernement ouvert. Et l'objectif, c'est de mettre là le numérique au service d'un développement économique humain et durable et écologique. Et donc, vous le comprendrez, je suis mobilisé, j'ai envie de, y compris, connaître mieux encore le sujet sur lequel je suis profondément investi depuis quelques jours. Et au fond, ce qui importe, c'est pas tellement que, même si c'est important, et je remercie mes services et mon cabinet qui ont beaucoup aidé à l'organisation de ce déplacement, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'importe, c'est d'avoir la connaissance de ce que vous faites, de faire en sorte que vos initiatives, vos actions, ce que vous faites au service de l'intérêt général et pour vos concitoyens, cela remonte au niveau de Paris, au niveau des ministères. Je crois profondément à cette France décentralisée qui, justement, s'irrigue par toutes ces voies, tous ces territoires, par ces rivières et ces bois et forêts et ces villes et ces campagnes. Et c'est ça que je souhaite pour qu'on puisse faire en sorte d'améliorer le fonctionnement de notre beau pays, la France. Et donc, en ce sens-là, je peux vous dire que vraiment, j'essaierai de faire au mieux, en disponibilité, en volonté, et surtout à votre écoute, et disponible pour faire en sorte que nous puissions travailler davantage encore. Et je vous dis tout simplement merci à vous toutes et vous tous pour l'action que vous avez au quotidien, chaque jour. Je sais la difficulté aujourd'hui de ce qu'est la politique. On n'a pas toujours une forme de reconnaissance de nos concitoyens et de nos concitoyens, mais ce que vous faites là, ce sont les preuves même de l'importance de toujours agir. Parce que c'est ça la beauté de la politique, c'est faire des belles choses pour nos concitoyens et nos concitoyens. Et donc bravo à vous toutes et vous tous, et je reste à vos dispositions. Merci à vous.